Je m'appelle Rakida Toilette Ahmed, étudiante en licence 3 en gestion administrative et management. École supérieure de gestion est une école de référence de qualité. J'invite les uns et les autres à venir s'inscrire pour une carrière professionnelle meilleure. Bonjour, je réponds à l'identité de Sissi Aminata, étudiante en finance comptabilité à l'école supérieure de gestion. L'école supérieure de gestion est une école à ciel ouvert qui est spécialisée dans les domaines de la finance comptabilité et de la gestion. Donc j'invite tout le monde, mes frères et sœurs, à venir s'inscrire à l'IEG car comme cela l'indique, l'excellence pour un avenir assuré. Bonjour, moi c'est Alphine Keta, étudiant en troisième année gestion d'entreprise, offshore marketing communication. J'invite tous mes camarades, frères et sœurs à venir s'inscrire à l'IEG, notamment pour sa qualité, sa réputation d'être une école d'excellence parmi les autres au Mali, un système LMD, licence master doctorat, avec des professeurs habilités et un diplôme reconnu par le système français, notamment l'INTEC de Paris. Sur ce, je vous remercie. Bonjour, je suis Jean-Pierre Grange, je suis le directeur général de l'école supérieure de gestion qui est située à Badialand 2, à l'ex-cinéma ABC. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que nous faisons dans cette école. L'école supérieure de gestion, c'est quoi? C'est une école qui va préparer nos étudiants à la gestion d'entreprise. D'abord, nous avons une filière qui se développe de la manière suivante. Nous avons 2 années en tronc commun et nous avons ensuite une sortie qui peut être soit dans le management de la ressource humaine, soit dans le marketing et la communication. Nous avons aussi, et c'est une activité principale de cette école, nous avons une filière comptabilité finance. Cette filière comptabilité-finance peut se subdiviser également et avoir des sorties sur des masters qui sont des masters de banque, finance, assurance, banque islamique, microfinance, tout ce secteur bancaire, et qui vont également s'orienter vers le master CCA, qui est le master comptabilité, contrôle de gestion et audit. Nous avons une spécialité également, c'est que nous sommes intégrés au CNAM de Paris. C'est le Centre National des Arts et Métiers à Paris, avec lequel nous avons un partenariat. Je précise quand même au passage que nous sommes la seule école privée à Bamako à avoir ce partenariat. On a un partenariat avec l'Institut National des techniques économiques et comptables, qui donne accès à l'expertise comptable par la suite. Comment se passent un petit peu nos cours? Parce que c'est ce qui peut être intéressant pour vous qui m'écoutez aujourd'hui. Les masters que nous avons en communication et en ressources humaines vont ouvrir sur les métiers dans les entreprises et sur l'entrepreneuriat individuel, puisque la partie en tronc commun est sur le partenariat individuel. Par contre, la partie finance-comptabilité peut être soit faite directement avec le CNAM Paris, soit faite progressivement à la fin des études, dans ce qu'on appelle la validation de l'enseignement supérieur. Un étudiant qui a sa licence peut venir déposer son dossier auprès des instances parisiennes et en fonction de ses notes et en fonction des programmes qu'il a fait, il va pouvoir valider son programme au niveau français. Je tiens à préciser que tous les cours de finance comptabilité sont basés exclusivement sur les programmes que nous avons ici, qui sont des programmes revus chaque année, qui sont des programmes français. Ça, c'est pour nos filières. On ne va pas s'étaler dans d'autres filières. Je sais que beaucoup d'établissements font beaucoup de matières, beaucoup de choses. Nous préférons rester dans un cœur de métier qui sont les métiers de la comptabilité, qui sont les métiers de l'entreprise. La méthodologie. Nous avons une méthodologie, et j'y tiens, et depuis les 2 ans que je suis à la tête de cette école,
J'insiste là-dessus. Nous essayons de faire du pratique, parce qu'aujourd'hui, il est évident que la difficulté principale d'une école, c'est d'amener son étudiant à bien apprendre et surtout à bien travailler. Or aujourd'hui, on a perdu un petit peu le sens du travail, travail à la maison, travail en équipe, etc. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, depuis cette année, nous avons instauré après chaque cours, il y a un coach qui vient et qui fait avec, pendant une heure, avec les étudiants, une révision du cours qu'il vient de faire et des exercices pratiques. Ce sont des jeunes, quelquefois c'est le professeur lui-même qui fait ça, mais chaque cours est suivi de travaux pratiques. Également, les cours sont faits en travaux dirigés. Ces travaux dirigés sont également faits par le professeur. Nous essayons de faire un maximum de diffusion de cours par les systèmes PowerPoint, par le système Teams et par le système Zoom, qui sont aujourd'hui des moyens de communication qui permettent une interactivité entre le professeur et l'étudiant. C'est-à-dire que, comme nous avons connu l'an dernier un arrêt brutal avec la crise du corona, nous sommes en mesure maintenant de pouvoir aller progressivement vers des cours qui pourront être distribués, je dirais en ligne, mais par le professeur lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, pour certaines matières spécifiques, telles que le français ou l'anglais, nous essayons d'employer des méthodes un petit peu modernes, qui sont des débats. En classe, il y a des débats, il y a des joutes oratoires, il y a des sketchs qui sont composés. Et en anglais, nous doublons nos cours avec un répétiteur qui va pouvoir assister l'étudiant. L'école participe au moins une fois par an à un événement extérieur, une foire, une exposition. Nous sommes allés déjà dans plusieurs expositions, dans plusieurs fêtes. Nous avons également une spécificité dans cette école, nous avons des partenaires assez nombreux et chaque année nous arrivons à pouvoir distribuer des bourses. Et les partenariats, les étudiants vont faire des stages chez leurs parrains, et ce qui permet souvent de tracer des embauches. Nous souhaitons inculquer à nos étudiants le goût du travail. C'est quelque chose qui me paraît important. Je dis toujours que chaque étudiant a un talent, qu'il faut qu'il cherche ce talent, qu'il faut qu'il travaille, et que quand il aura travaillé, il aura obtenu la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans la vie active sans avoir une connaissance approfondie des choses. On parle souvent qu'on embauche de telle et telle façon. Je suis sûr et je le sais que tous mes meilleurs élèves sont embauchés dans les entreprises sans aucune difficulté. Pour le reste, nous avons des activités culturelles. Nous avons bien sûr une sortie annuelle, nous avons une fête, la fête traditionnelle, nous avons la fête de l'insertion, nous avons des conférences, nous avons des conférenciers qui viennent pour nous parler soit de leur métier, soit des activités qu'ils ont menées dans leur vie. Voilà, les prix. Mais les prix, ils sont bien situés dans le marché des écoles de Bamako. Ils sont, je crois, ce sont des prix de base. Hein, ce sont des prix de base avec un enseignement que je veux être un enseignement de qualité. Je veux que cette école soit une école où on puisse accéder relativement facilement et que l'enseignement ne soit pas gêné par le prix qu'il y a à payer. Bien sûr, on ne fait pas gratuit, mais on fait des prix. Par exemple, on peut avoir un master à 675 000 francs. On peut avoir une licence à 450 500 000 francs. On peut avoir... voilà, ce sont des prix qui sont quand même des prix, je pense, qui peuvent donner l'accès à beaucoup de personnes. Voilà notre intention, voilà notre idéal. Notre idéal, c'est de former dans le sérieux les cadres de demain, les cadres de ce pays, pour essayer de faire progresser les choses et que les gens puissent s'insérer dans la société facilement. Je peux vous donner les numéros de téléphone auxquels nous sommes joignables. Il y a le 20 29 68 32, 20 29 68 32,
le 50 58 70 70, 50 58 70 70, et mon téléphone personnel que je peux vous donner, qui est le 91 20 27 55. Je remercie la radio, Cathy, de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer un petit peu auprès de vous et de faire connaître notre école. Je vous remercie.